On se retrouve pour le nouvel épisode sur le jeu GPS 4 avec la France de Macron. Dans le dernier épisode, on était en train de faire un projet spatial pour Mars. Donc c'était là d'ailleurs, je crois. Recherche spatiale. Alors on avait mis pas mal de découvertes, on était en train de chercher plutôt des programmes. Donc nous, ça va être par là, je crois. Si je vais dans mon membre, c'est pas mieux. Non. Bon, on a fait un programme spatial, je vous montrerai après. Voilà, donc là on va continuer. Et on avait plutôt une bonne cote de popularité, on avait fait des lois pas mal. Pour les personnes âgées, etc. Recherche spatiale. Donc là, on peut mieux faire. Monsieur le Président, dans l'allocation des pays, on va tirer le bonheur. Une bonne nouvelle, on voit plus qu'un petit bonheur. Ouais, ça je sais, merci. Et du coup, on est passé à combien? On est passé... Alors, c'est maintenant, c'est dans le début, je crois. Merde, c'est où? Croissance, chômage, inflation, capital, régime, PIB, population. Part dans le PIB, on est déjà 3,31, c'est pas mal. Croissance, 3,11. Ouh, ça c'est beau, ça. Chômage, 8,70, c'est pas terrible. Inflation... Non, ah, c'est là, putain, je suis con. Alors, BNP par bonheur, on est pas mal quand même. Pas mal du tout. Comment ça augmente? Alors, toi. Bien que votre économie soit parmi les plus saines, votre degré de solvabilité pourrait ne pas être à l'abri d'une dépréciation. Nous réitérons donc notre confiance tout en vous recommandant une certaine vigilance. Je vous rappelle, si vous l'ignorez, que notre évaluation se base principalement sur votre déficit budgétaire prévisionnel. Ouais, ouais, c'est bien. Allez, ta gueule. Alors, dans le journal, qu'est-ce qu'on a de beau? Soulèvement à Paris, donc ça c'est fini. La Russie lance projet. Premier ordre service d'ordre de manifesteurs. Il date un peu, 29 janvier. Ah bah si on est le 29 janvier, pourtant j'ai plus rien. Alors, hop 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 hop, une seconde. On se souvient d'Emmanuel Macron pour la BD d'Angoulême. Ce type de manifestation est tout à fait essentiel pour nos concitoyens. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a besoin de se divertir, d'alléger le fardeau de son quotidien. Seul l'art et la culture le lui permettent et doivent être au centre de la cité. C'est ce qui fait la richesse et le dynamisme de celle-ci. Ok. Bonjour. Ouais. Je n'arrive pas les mains vides. Je tenais en effet à vous rencontrer pour vous soumettre ce contrat économique. Ouais, vas-y. Alors, vente annuelle de boxy, prix moyen à la vente, prix moyen à l'achat. Tu en as combien? Oh, ils en produisent autant que ça, le boxy, toi? J'ai pas de volume déjà ce contrat en plus. Alors par contre, là, ça m'intéresse. Ça m'étonne quand même que la Jamaïque fasse du boxy. Alors, on va prendre un mini. 3 et 3, 3 et 3. Ouais, donc c'est bien ça. On va prendre un peu plus et on va négocier. À 31 ça passe. Ok, il me revend, ouais. Pour 2 millions? Tu en fais quoi de 2 millions? Ça me bat très bien. D'accord, t'as accepté, oh nickel. Je ferai un petit café. Bien noir et bien serré, s'il vous plaît. Ouais, c'est nickel, voilà. Alors toi. Encore nos efforts, ça va devenir un événement crucial international. Oui, bien sûr, on va les accepter pour aller à Pyeongchang. On a fini pas trop mal, ça va. Alors, 66, on a pris encore 1%. Bonheur, on s'en fout. Il faudrait que je regarde. Demande de rendez-vous. Ah, alors. Qu'est-ce qu'on a là? Hier, lors du journal télévisé de 20h, un commando de l'organisation terroriste a pris possession des lieux et a délivré un message de propagande aux millions de téléspectateurs. Je vous passe les détails, mais votre nom était cité, et pas pour la bonne cause. La réaction du peuple est plutôt abusée, mais nous devons clairement prendre au sérieux cette organisation terroriste,
qui ne devrait pas se limiter à des interventions médiatiques. Donc les Corses maintenant qui nous font chier. Alors, les indépendantistes corses. Alors, on en est aux terroristes. Organisation infiltrée. Donc ça c'est bon. Et les autres sont en cours. Un satellite espion, on les a normalement, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on les voit ici? Ah non, on a plus. Ah si, on a quand même un satellite là. Avant, on en avait beaucoup plus. Bah non, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un camp français en Centrafrique. J'ai déjà mis. Là, on a pas mal tout ça. Plein de conflits ici. Encore un satellite ici. Voilà, donc ça, on en a quand même quelques-uns. Ça peut être pas mal. Suite aux événements récents, nous procédons au recoupement de toutes les informations et allons renouveler rapidement le fichier. Certains suspects en seront retirés. D'accord. Alors, juste savoir, le Salvador, c'est quoi? C'est présidentiel, donc je peux prendre un rendez-vous avec eux. C'est des fois, si vous commencez à prendre rendez-vous avec des dictateurs, vous allez perdre la cote de popularité. D'ailleurs, j'ai perdu là. Pour le fait de terrorisme, d'accord. Ok, alors, est-ce qu'on pourrait améliorer le réseau ferré ou pas? Non, je pense pas. En aéroport, on n'est pas trop mal. La France est plutôt bien desservie. Normalement, il y en a un à Bordeaux. Par contre, je crois qu'il y en a... Ah si, il y a l'aéroport de Nantes. Il y a Notre-Dame-des-Landes qui a été refusé d'ailleurs. Donc on a Nantes, Rennes, donc on a un grand ici. L'aéroport de Bordeaux, à Toulouse on en a un qui appartient maintenant aux Chinois. Bon ici, écoutez, de chez moi c'est sûr qu'on en a un, on a Marignane qui est ici. Nice il y en a un, Lyon il y en a un. Nancy, dans ces villes là, je sais pas si, je crois qu'il y en a un à Strasbourg. En fait c'est pour augmenter la capacité commerciale de mon pays. Et en train aussi, je crois que la France est un des pays les mieux dotés en train au monde. Alors, je reviens vers vous monsieur le président concernant ce programme concurrent. Tu notes car leur agence vient de communiquer leur avancée de leurs travaux. Leur objectif de réalisation est fixé pour courant 2023. Nous devons augmenter nos efforts ou prendre plus de risques pour essayer de les dépasser. Le fait de réussir les premiers sera marquant pour la recherche spatiale, le deuxième sera oublié, d'accord. Ok, donc plus de risques. Qu'est-ce que tu entends par plus de risques? Aide, ONU, Union Européenne, non. Là, recherche spatiale. Effectif, on l'a augmenté ou pas? On va essayer d'en prendre plus. 100 000, 10 000 chercheurs de plus, 400 millions. Il faut vraiment qu'on fasse des progrès dans ce domaine-là. Prendre le budget après un sacré coup, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, président de l'Organisation Nationale pour le jeu vidéo, d'accord. Connexion bas de gamme. On se fait kicker en permanence sur les mêmes mots. Si cela continue, même le poker en ligne deviendra difficile à jouer. N'oublie pas qu'un bon gamer est un bon lecteur. Alors attends, attends, moi attends mon petit. Et ça comment vous voulez que je fasse pour augmenter peut-être dans les services. Du coup. Alors qu'est-ce qu'on a? Presse édition, réseau numérique et infrastructure, restauration rapide, service postal. Service internet, ça pourrait être peut-être ça. Service internet, qu'est-ce qu'on a? Toc, 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 toc. 2 milliards, 8 milliards, ok. Mais ça, ça serait de la contrôle, ça serait pas bon. Et du coup, comment vous voulez que je fasse pour augmenter la capacité? Je sais pas. Alors, prochain sommet de l'UE à Bruxelles. Régler le pacte de stabilité de l'UE. Tel est l'ordre du jour pour le prochain sommet. Votre présence est bien entendu plus que nécessaire. Je confirme le rendez-vous? Bah ouais, bien sûr. Je vous informe que nous disposons désormais d'une carte électorale par région, qui peut s'avérer fort intéressante si vous souhaitez mener une communication de proximité et une politique d'aménagement du territoire. Tout cela s'inscrit bien évidemment dans la perspective d'optimiser ces résultats pour les prochaines échéances électorales. Ok, alors carte de région, qu'est-ce que tu entends par carte? Non, ça je m'en tape. Ça, je m'en tape. Ça, je m'en tape. Peut-être là. Non, rien du tout. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, ouf, ça, ok, on voit les forces et tout. Là, qu'est-ce qu'on voit? Classification. D'accord. Gouvernement, machin. Ça, c'est l'épée. Ça, je sais pas c'est quoi. Ok, on va enlever ça, du coup on va revenir normal et on va faire ça. Je vais me recentrer sur mon pays. Alors, un journal.
On va peut-être construire plus d'éoliennes, je viens de penser. Comme ça, on pourra essayer de réduire le nucléaire, même si c'est... Ça va être compliqué. Mais au moins, comme ça, les écolos sont contents. Et Nicolas Hulot pourra rester au gouvernement. Donc, alors, énergie. Énergie, vous voyez, il est pas content du tout. Alors, construction. Énergie fossile, non. Éolienne maritime, on en a pas. On va essayer d'en placer, voir un peu ce qu'on a. Alors on a bonne, est-ce qu'on aura très bonne ici ou pas? Non, toujours pas. Ici c'est pas à nous. Puis on a moyenne. Ici, qu'est-ce qu'on a par là? Normalement ils sont en Bretagne je crois, ceux qui sont en train de, en cours de construction. Donc on va rester en Bretagne, ça les met plus loin, plus de large. On a bonne, donc on va laisser tout vers là. On va éviter quand même de boucher le... porte-conteneur là, si possible. On va mettre une là du coup, et on va mettre une autre. Du coup, énergie, éolienne. Tac. Ici aussi, et on va faire un truc de géothermie. Alors, géothermie, géothermie. Ok. Et oui, l'intérêt, on a 4, par contre, ça va me coûter un peu plus cher, ça. On va voir combien de ça va me coûter. Qu'est-ce qu'on a après comme action? Charbon, on n'en produit pas. Normal. Du gaz. Ouais. Ah, on gagne rien du tout. Ok. Bizarre, mais bon. Donc on possède tout le gaz, personne ne veut l'acheter quoi. Alors ça c'est bon, qu'est-ce qu'on a là? Ah ok, les châteaux. Château d'Amboise. Les autoroutes on est bon, et du coup on va essayer de continuer. L'armée c'est bon, opération militaire qu'est-ce qu'on a? Non. Pakistan ça c'est les conflits actuels. Donc on va rester tranquille. Je crois qu'on a... Ok, alors. Un de mes hommes a réussi à... On s'en fout. D'ailleurs, voyons voir un peu le personnage qu'il y a. S'ils ont changé ou pas. Oh, parti. Ok. Donc à la base, c'était pas ça que je voulais ça. C'était pas ça du tout. Ah, attends, est-ce qu'à partir d'ici, je peux faire ça? Voir les promesses que j'ai faites ou pas. Tata papa, meeting de campagne, un peloton, sur protection. 0, 0, 0, 0, 0. Non. Non, ok. Donc, ce que je voulais c'était voir plutôt les personnalités. Si je vais dans proche. Est-ce qu'elle est là Brigitte? Jean-Paul Moulier... Ah oui, Jeanne Macron, d'accord. Catherine Macron, Pascal Macron, ok. Ok. Allez, on est parti. Rendez-vous avec le président du Salvador. Je n'arrive pas les mains vides. Allez, si, on va voir ce que tu as. Tu veux me vendre annuellement des oranges. Prémoyer la vente, prémoyer l'achat. Alors, j'ai une question. Tu veux vraiment que ton pays souffre de... de pénurie d'oranges. Tu produis 57 891 et tu m'en vends et tu en consommes 73 129. Toi t'as eu un contrat plus intéressant. Et puis ça me sert à rien, 57 000 c'est nul. Je peux le faire. Volontiers, bien noir et bien serré. Toi, qu'est-ce que je pourrais te vendre? Est-ce que tu veux pas plutôt des avions? Je t'en propose moi si tu fais les avions. Je t'en propose un. Je pose à... Allez, 60... 70. Non, pour vendre des avions, je ne peux pas en vendre. Alors ça, je vais le faire de suite. Parce qu'il me semble pas que je l'ai fait dans, la... dans mon truc. Parce que je viens juste de le voir à l'instant. Alors, avion de combat, non. Construction aéro. Il me semble pas que je l'ai fait ce contrat-là.
Non, je l'ai pas vendu. J'en ai pas vendu. Donc on va peut-être leur vendre à eux, ça me fera un peu plus de pognon, ça fera travailler Airbus. Alors. Il t'en faut 12. Non, il t'en faut. Il t'en faut 9. C'est tellement pas le cher quand même. Pas déconner. Attends, deux secondes. Pour l'ouverture des Jeux Olympiques, toujours pareil, un nouveau contrat. Qui serait friand de ça? Peut-être les Émirats Arabes Unis. Vente annuelle. La construction aéro, donc 8. Pas intéressant. L'Arabie Saoudite. 14. Ouais, pas mal. Le Bahreïn, non 1. Qatar. La Chine, combien? Consommation 234. Ah ben voilà. Voilà, bon. Un bon client. On va essayer d'en vendre un peu plus de la moitié quand même. Un peu plus. J'ai dû en vendre 100. Je crois qu'ils peuvent pas prendre plus de 50% de leur leur truc. Alors, si on arrive à avoir ce gros contrat là, ce serait pas mal. Et un petit dernier pour finir. La Corée du Sud, je sais pas si je crois, ça va pas qu'ils fassent des avions. Ils en demandent 30. Émirats Arabes Unis, j'ai déjà vu, je suis con. Les États-Unis, ils en produisent avec Boeing. La France, c'est moi, je peux me vendre. Et les Russes, pourquoi pas les Russes, les Indiens 49 quand même, on va essayer de leur en vendre un peu. Si on peut leur en vendre 10. Alors, ça c'est bon, les Indiens c'est bon. Le Japon. 102, pas mal ça. Si on la revend 40, ça serait pas mal aussi. Allez hop. Ouverture des Jeux Olympiques. Cette neige immaculée et l'écrin au sein duquel vont maintenant briller ces athlètes dont le cœur n'aspire qu'au dépassement de soi. Je leur souhaite bonne chance pour défendre avec fair play leurs couleurs et gagner les plus hautes marches du podium. Je déclare ouvert les Jeux Olympiques d'hiver. Nickel, allez, barre-toi. Alors, désolé monsieur le président, mais votre demande de participation a été refusée. D'accord. Ok, donc ça a été refusé. Donc je vais dans la recherche spatiale. Oula, oula, deux secondes mon ami. Découverte. Découverte dans le monde. Moi ce que je voudrais c'est lanceur très lourd. Et ça aussi. Avant 2018. Mais moi, ça, ils m'ont pas encore découvert. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vrai que je préfère un nouveau projet aussi spatial. Le truc, c'est que je suis un peu en déficit déjà. Donc ça, ça va être dur. Athéna, Terre, préparation. Mercure, Lune. Ouais. Ok, alors, j'en étais où là? 31 ils en veulent. T'en veux 10. 2 en plus la qualité du contrat, donc c'est pas mal. En plus 73, allez, 67, je te les vends. Toi 67, pas mal. Par contre là, 71, 76. Donc eux, ils veulent pas, c'est dommage. Cette personne est sous la menace d'un scandale. Compte tenu de vos liens, l'affaire pourrait avoir une incidence baissière en termes d'image, et ce dans une proportion difficilement chiffrable, même à l'aide du paradigme de Schaeffer. Désirez-vous qu'on tente d'étouffer cette malheureuse histoire? Non, on s'en fout. Monsieur le Président, tous les pays intéressés par votre programme sont positionnés à vous de maintenant solutionner. Ok, donc c'est là qu'il faut que je sélectionne, d'accord. Alors, recherche spatiale. Donc là, membre. Inspiration Mars, pour moi. Ah, c'est SpaceY ça. D'accord, SpaceY, c'est tout ce qu'ils ont comme projet. Là c'est des astéroïdes, lune, Mars. SpaceY, il est proche, je suis pas, si je suis là. Voilà. Rock to Mars. Alors, redécollage de module, on n'a pas la techno. Par contre on a quasiment tout le reste, ça c'est pas mal. Ah non putain, ça c'est les Russes. Non. Alors attendez, je fais une connerie peut-être. Oh putain, je suis con, j'ai pris les Russes, ok. Donc ça c'est moi.
Donc moi, il me manquerait décalage de module et retour terre. Lanceur très lourd aussi. Ok, il manque pas mal de choses quand même. La vache. Il me manque montant financé pour les autres partenaires 19. Moi, je me finance à 70. Donc ça fait 89 ça. Partenaire proposition, ok. Alors j'ai le Luxembourg, j'ai l'Algérie, le Portugal, l'Italie, la Belgique. Alors peut-être les Italiens, parce qu'ils me proposent quand même 18% du bordel. Donc ça me fait. Par contre les technologies, est-ce qu'il n'y a pas marqué qui a les technologies? Je pense qu'il n'y a aucun de tous ces pays là. Donc 19, ça fait 89. Et 18 de l'Italie. Ouais, je prends les Italiens. Budget 218, 224. Eux, ils me proposent plus. Bah, tout en fait, je prends les Belges, alors ils me proposent plus. Une rallonge. Donc, on va prendre cela. Par contre, eux, ils ont aucune technologie. Qu'il me faut les Italiens. Ils ont plus de technologie mais ils ont pas le bordel. Ce que je veux moi, en rentrée atmosphérique, atterrissage. Non. Ils ont le TGV. Et Doran et sous-marin. Construction de satellite, construction de sens spatial, construction de module habité. Et moi il me manque quoi? Lanceur très lourd. Ouais. Redécollage de module, tu l'as pas? Le Luxembourg, l'Algérie, je pense pas. Ils ont un moteur spatial, ok. Portugal. Portugal, ils ont pas grand chose. On va prendre les Italiens, ceux qui ont la plus grosse technologie. Allez, on est parti. Alors, budget total du programme, 1,31 milliards. Donc ça me fait pas mal de pognon. Ça me fait pas mal de pognon. Voilà. Valider le programme. 2030. Et ouais, mais il nous manque toujours des techno. Alors, valider le programme. Bah, on va quand même attendre un poil d'avoir la suite des événements si on propose un truc. Alors, c'est le partenaire d'un projet. Une nouvelle phase de positionnement. En même temps, elle durera à nouveau environ 3 semaines. Le budget du programme étant couvert. Ouais, mais on va attendre légèrement un autre pays s'il veut se présenter. Alors président de Maldives, c'est quoi? Autoritaire, donc on va refuser. Puis je n'ai rien à foutre des Maldives. S'il veut me vendre du sable et des voyages, ça m'intéresse pas. Alors, la journée dédiée à la cybersécurité organisée par les pouvoirs publics dans toutes les administrations, vous pourrez rencontrer les hôtesses qui vous sensibiliseront au comportement de cyber-hygiène. Un agréable moment pour écourter les files d'attente. D'accord. Alors là ils sont pas contents, le mec est marqué autoritaire, d'habitude ils aiment pas, et là pour une fois que je le fais, dans une partie, non, ils sont pas contents. Ok. Ok, ok. Alors, on va avancer un poil. On va finir ces contrats là pour cette vidéo. Construction aéronautique, ajoute une clause. Alors 73, machin, 31, ok on accepte, allez, hop. On va se faire un peu de blé. Alors 10, 77 ça passe. Avec les Indiens. Et surtout le contrat chinois. 67, 68, on va accepter, tant pis. Ils ont fait une grosse commande. Notre agent estime qu'il existe un risque certain. Allez, vas-y. Voilà, ça fait combien de temps? Ça fait 20 minutes là que je suis en train de faire une vidéo. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. Et allez, je vous dis ciao.